Et salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau jeu. Je l'ai découvert il y a quelques minutes. Je voulais faire une petite vidéo de découverte vu que ça fait depuis longtemps que je l'ai pas eu. Bon, alors on va se créer. Donc c'est sur Fantasy Legend War of Contract. Si je dis pas de conneries, c'est à la Summoner's War. J'ai cru le voir, donc voyons voir. Ok, il y a deux personnages, garçon ou fille. Ok. Bon, voyons voir ce que ça retourne. Je sais pas si je vais l'apprécier ou pas. Ah, on peut pas mettre le haut majuscule? Si, on peut. Ah. Let's go, start. Donc, toujours pareil, une petite découverte sur le didacticiel. Je crois qu'il est qu'en anglais, malheureusement. Mais voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Déjà un petit dragon, moi je dis pas non. Alors comment ça joue, il faut faire quoi, etc. Ça doit être le didacticier. Oh, il est stylé déjà. Ok. The 5 années plus tard. Non, déjà type feu, on a bien vu. Non, mais on dirait vraiment une patte graphique à la WoW, enfin Summoner's War. Nya, nya, nya. Ok. Voyons voir. Par contre, le son est assez faible, non? Il n'y a pas tellement de son. Il y a une petite sorte d'ambiance et tout. Ok, c'est exact. C'est quoi, c'est les invocations? On dirait bien. On peut échapper à l'histoire, ok. Ok. Ah, c'est un jeu comme ça, ok. Tap to continue. Je gagne de l'argent, level up. Cultivate et le summon. Ok. Ah, donc c'est complète, c'est pas du tout ce matin soir. J'avais joué à un petit jeu comme ça, je m'en rappelle plus. Va voir. Je trouverai pas de nom. Manque un peu de musique, je pense. Parce qu'il n'y a même pas de sous-titrage ou quoi que ce soit. Ah, ici, tigre. Tigre-lion. Full revival. Ok, donc toujours pareil, l'eau gagne le feu gagne le vent gagne la terre. Ok. Le feu gagne le vent, ce qui est normal. Par contre, j'ai que elle. Et on dirait que ça se joue tour par tour. On tape par tape. On a ici. Ok. Et ça, c'est les pouvoirs. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. XP, XP de. Donc des unités. Et tu gagnes des coffres. Pour avoir un 2 à 4 étoiles. Ok.
Ok, donc on a aidé. Compréhensible. Level up. Et donc le summon. 20 pendant summon 1. Un peu chiant. Par contre, il n'y a que des 4 étoiles, c'est. Fuck. Donc, type O, c'est celui qu'on a sauvé. Si je dis pas de conneries. Ok, des ennemis encore, on va attaquer. Une mage. Donc, voyons voir ce qu'elle fait. Mais j'avoue que là, le son, ça me perturbe de pas entendre de son. Donc, feu attaque le vent et l'eau attaque le feu. Alors, c'est bizarre. Restore. Je pouvais pas attaquer. Pourquoi je pouvais pas? Ok, donc ça c'est tank, ça c'est attaquant, obligé. Brune. XP, XP. Elle est déjà niveau 3? What the fuck? Ça XP vite? Ok, et là je suppose je vais choper la mage. Les trois classes différentes. Voyons voir. Ok. Alors, level up, c'est plutôt cool. Et bien sûr. Alors, on parie que j'ai une 2 étoiles mage. Bingo! Ah, mais c'est. Didacticel. Une araignée, non? Ah non, c'est. Scorpion. Ah ouais, c'est un scorpion. Stylé. Non, franchement, après, c'est plutôt beau. Mais il faudra voir par la suite. Là, je suis encore sur le didacticiel. Parce que rien que les images comme ça, là, comme ils nous montrent, c'est plutôt cool. Ok, donc c'est un boss. Attaque, la partie. Il faut que j'attaque les parties. Ah, ok, d'accord. En gros, cette partie-là, elle attaque tous les ennemis. Cette partie-là, elle restaure. Ok. Ah, c'est plutôt pas mal ça. Ok. Et ça, full now. Je clique dessus et je clique. Ok. Donc j'ai détruit sa partie. C'est quoi ça? Ah, je peux le refaire? Pourquoi je pouvais le refaire? Très bonne question. Là, j'ai pas compris. On va attaquer son autre partie. Ok. Ok, c'est sur lui. Ok, d'accord. J'aurais dû le lire avant. Non, ah, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Bah, elle est bientôt morte. On va essayer de détruire sa dernière partie. Bon, elle crève en même temps. Ok. Ouais, j'aime bien. Le fait d'avoir plusieurs parties à détruire, c'est plutôt cool. XP pète. Tout level up. Ok. Je sais pas à quoi ça va me servir, on va le garder. Donc je peux devenir plus fort en cultivant des trucs. Ok. Je prends le pet, strong. Ok, ça va faire quoi? Ok. Donc elle a gagné un peu de partout. On termine ça, on gagne de l'XP et de l'or. Allez. On va se faire une petite dernière.
Je pense que c'est que ça l'histoire, à moins que je sois encore dans le tuto. Faudra voir. Je ferai sûrement une deuxième vidéo par la suite, pour voir ce que ça va nous montrer. Parce que pour le moment, j'avoue que c'est que le didacticiel. J'aime bien les phases de combat, elles sont plutôt bien faites. Les monstres aussi sont bien faits. C'est pas le top top, mais ils sont bien faits. Rain Wither Water, je sais pas quoi. Donc encore un boss. Alors, il y a quoi? Evelyn, c'est celle qui est avec moi. Moi je voulais dire ça. Pendant 3 tours. Et là? C'est mode auto? Il y a un mode automatique, ok. Et là je choisis l'ultra. Ah, il faut que j'appuie sur les deux. Ah, j'ai le choix d'en faire qu'un seul ou plusieurs. Ok. C'est ça parce que j'ai détruit son truc, sûrement. Crit. Inferno Blade. On détruit son deuxième partie, donc ça va me redemander les deux ultras. Ok, bon, j'ai compris ce petit combo. C'est plutôt cool ça. Ah, donc position devant c'est un tank et derrière c'est les attaquants. Large XP, ok. J'aimerais bien les garder, parce que j'avoue que les deux étoiles c'est pas ouf à mettre. Manque un peu de musique, hein. Ok, confirmé, on continue. XP pète. Oh, mais sérieux? Attends, il est passé niveau 20. DDDDE. Et j'en suis sûr, là, il y aura le level up ou quoi que ce soit. On va se terminer sur ça quand même. J'aimerais bien savoir. Ouais, une téléportation, ça c'est cool. Ça nous amène où? Éveil, évolution. Invocation. On dirait invocation. Ah, j'aime bien son casque. C'est un boss, c'est ça? Combat start. Eh, déjà rien que le fond d'écran, je surkiffe. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Attaque 3 fois, l'ultra, tous les ennemis, massif dommage, ok. Ouais, mais épique, 5 étoiles. Oh! Ok. Donc, on va détruire la première partie. On va essayer plutôt. Ça sert à rien, autant attaquer. Il se met en garde. Et attaque. Et il fait mal. Ça sert à rien que je fasse l'ultra. Autant détruire et faire les ultras par la suite. À moins qu'il donne l'ultra quand on le détruit. Ça, je sais pas non plus. Les tasks chasing. Ah, c'est stylé! Mais on va se booster. Ouais, donc les attaques de zone, c'est pas le top non plus. Blizzard, ça va le break. Est-ce qu'on peut refaire? Oh, ça serait stylé. Ok, ça c'est pété par contre. Je trouve. Dégâts de pénétration. Mais critique, je suppose. Full. Ok, on gagne tout. On ouvre. Et ça sert à quoi? De toute manière,
didacticiel, hein, comme d'habitude. Choisis l'avantage. Bon, on level up assez souvent pour le moment. Ok, donc c'est vraiment pour qu'elles passent niveau 3 étoiles. Donc ils peuvent tous passer en 5 étoiles. Et elle augmente, donc niveau 25 max. Elle passe en C en attaque, défense et HP. Et en D en speed. Ok. Plutôt cool. Allez, une petite dernière. Allez, allez, les petits jeux comme ça. Ouais, les petits jeux, je pense pas que ça soit un petit jeu. Je suis toujours au tutoriel ou je ne sais quoi. Mais j'aime bien. Alors. Est-ce que c'est le méchant? Je crois que c'est le méchant, non? Mais ouais, c'est bien le méchant. Il a tué ou il a juste paralysé? Très bonne question. Ouais, j'en suis sûr, ça sera que des trucs comme ça. Ok. Ok, l'histoire est toujours pareil. Je me demande s'il y aura une campagne ou un truc mieux, parce que si c'est juste appuyé. Ah, c'est là. C'est là la campagne. Ok. Pour entrer, on part prendre le vaisseau. Ok. Et on se barre. Le chercher. Ou chercher une solution pour contrer l'effet de ma mère qui est congelée. Je pense pas qu'elle soit morte. Et donc on arrive à ce moment-là. Ouais, mais j'ai. Ouais, c'est ce que je me disais. Nous ont montré le mec, mais mon équipe, c'est pas ça du tout. Véronica. légendaire. Je sais pas pourquoi. Elle gagne de la vie quand elle attaque. Son ultra. What the fuck. Ok. Bah, le jour où je l'ai, ça sera cool. Ok, ça attaque tout. On va attaquer le 1. Et c'est parti. Ok. Détruit. Ok, nice. Casser la partie. Double ultra. L'ultra de la voleuse. Je vais l'appeler la voleuse. Elle est quand même pas mal. Pour une unité qui est donnée. Ça fait quoi? Ah, boost les dégâts. Ok, d'accord. Ça se soigne. Ok. Bon, booster les dégâts, j'aurais peut-être pas dû le mettre à lui, mais bon. Ce qui est fait, est fait. Pas trop de dégâts. Là, on va le break. On va le break. Voilà. Et double ultra pour qu'il crève, ce qui sert strictement à rien, vu sa vie. Ok, c'est bon. Ok, level up. Red diamant. Trial. Oh, trial arène. Diaz, légendaire. Ok. Et j'ai énormément. Bon. Alors, aventure. Ok. Et l'aventure. Là, c'est ce que j'ai. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit à ce moment-là, soit. Il y en a 124 en tout.
T'as des pièces, donc il faudra récolter 200 pour essayer de les avoir. Ça, je connais. Les invocations. Ton inventaire. Ok. J'aurais pas dû cliquer! Bon, allez. Sur ce, on va s'arrêter sur ça. Plutôt pas mal. Faudra voir qu'est-ce qu'il en retourne. Normalement, j'étais dans le vaisseau. Pourquoi je suis de retour ici? En 20 minutes. Allez, 20 minutes en gros, tu termines le didacticiel. Ça, c'est bon, premier esprit. Esprit de quoi? On va prendre. Ok, ouais, donc c'est vraiment la fin du didacticiel. Niveau 8. Tu vas en aventure, ok. Ah, ah j'aime pas quand ça fait ça. Secteur 1. Tu peux avoir. Ah, c'est toi qui place. Ah, ça c'est cool par contre. Ça c'est cool. Donc on peut combattre jusqu'à 6 persos, 3 tanks et. Enfin, 3 tanks. 3 persos au corps à corps et 3 persos. À distance, purée. Je cherche le nom. Véronica. Ah, j'aimerais bien voir Véronica. Est-ce que je peux jouer avec mon perso? Ça, c'est la question. Allez. Dernier fight. Si on peut summon, on va summon. Ok. Donc, il faut que je le termine en 5 tours. Et combat automatique. Qui me fait chier, bien sûr. Et on est obligé d'attaquer donc ce au corps à corps avant d'attaquer ce à distance. On va booster la défense. On a bien fait, on détruit. Ah, il fait mal quand même. Bien sûr, il crève. On le tue avec l'ulti. Je pense que c'était scripté, ça. Faut pas déconner non plus. XP, 10, 5, 5. Ah ouais, mais c'est que 2 étoiles et les deux sont 3 étoiles. Ok. Ok, vu que j'ai 3 étoiles, je peux prendre 3 cartes. Ok. Ok, donc c'est ça. Et je pense que c'est ma première vraie invocation. Welcome friends and never fear enemies. Stylé. Elle a une coiffure de rat, mais stylé. Quick. Ah, Quick, c'est pour les mettre directement en upgrade. Niveau 9. Elle fait attaque et speed. C'est encore du feu. Alors, on va quitter parce que franchement, il y a pas mal de choses. Oh. Loup-garou et une licorne. Ok, d'accord. Alors ça c'est quoi? Total summon. Ok, bon, on va prendre ça. Et ça c'est le genre de connexion, je suppose. Ok, c'est le genre de connexion. Ok, d'accord, donc c'est un jeu vraiment comme ça. C'est plutôt cool. Luck Wave 44. Et tu peux gagner jusqu'à ça, mais j'en ai que 10. Ça me sert à rien. Summon. Soit les normales summon. Que je peux pas. Ou soit les diamants. Donc c'est ça avec l'argent. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est ça ressemblait un peu à Summoner's War. Mais ça a l'air stylé. Bon, je verrai. Je vais avancer un peu et vous montrer par la suite ce que ça vaut. Et. On verra bien. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt cool. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à la prochaine. Tchuss!